to page 394. Excuse me, sir. Where's Professor Lupin? That's not really your concern, is it, Potter? Suffice it to say that your professor finds himself incapable of teaching at the present time. Turn to page 394. Werewolves? But, sir, we've just begun learning about red caps and hinky punks. We're not meant to start nocturnal beasts for weeks. Quiet. When did she come in? Did you see her come in? Je vais commencer, bonjour bonjour, par le corrigé d'activité 2. Donc, comment j'ai fait pour trouver le corrigé de Wigner là? J'espère que vous avez un petit peu galéré. Je peux vous mettre un lien dans la description qui explique un petit peu comment fonctionne le chiffrement Wigner. Moi je suis allé simplement sur decode.fr et j'ai obtenu le corrigé. Donc Wigner c'est un chiffrement de décalage, comme le chiffrement de César, sauf que le décalage est différent suivant la position de la lettre dans la phrase, dans le texte. Et il y a une clé qui permet de régulièrement répéter le même décalage. Donc ici c'était 0, du coup c'était toutes les 4 lettres, c'était le même décalage. Alors B, l'attaque fréquentiste, ça consiste à mesurer les fréquences des différentes lettres, et puis la plus fréquente, dire par exemple c'est le E aussi, texte en français. Mais une même lettre peut être chiffrée de façon différente avec un chiffrement de Wigner, ce qui le rend quand même très difficile à casser manuellement. En revanche, informatiquement, c'est extrêmement facile. Alors, on peut attaquer aussi manuellement, mais il faut avoir un très gros texte, et on peut peut-être éventuellement récupérer des régularités, notamment sur les doubles lettres, mais c'est quand même chaud. Alors, pareil, pour déchiffrer, vous deviez trouver « I am very happy ». Youpla. On passe aux choses sérieuses maintenant. Il fallait démontrer dans l'exercice sur le petit théorème de Fermat. Donc le petit théorème de Fermat, c'est P ne divise pas A, alors P divise A puissance P moins 1, moins 1. K est un entier compris entre 1 et P moins 1. Donc, je rappelle le théorème de Gauss. Et je vais écrire sa contraposée qui va nous servir pour répondre à la question. Donc si A ne divise pas C, alors il ne divise pas BC ou A et B ne sont pas premiers entre eux. Je le retraduis par rapport aux éléments qu'on a dans l'exercice. Si P ne divise pas A, ce qui est une donnée, alors il ne divise pas KA ou P et K ne sont pas premiers entre eux. Or, P est premier. Donc, ses seuls diviseurs sont P et 1. K étant strictement plus petit que P, P ne divise pas K. Donc, on obtient que P et K sont premiers entre eux. K ne divise pas P non plus, ou alors K égale 1, mais dans ce cas-là, ils sont aussi premiers entre eux. Conclusion. P ne divise pas K, puisque l'autre option a été exclue. Et s'il ne divise pas K, bah le reste est nul. Et non nul. Alors on va supposer que RK est égal à RK'. Ça implique donc qu'ils sont congruents entre eux modulo P. Donc que KA est congru à K'A modulo P. Je soustrais K'A de chaque côté. Ça donne que K moins K'A est congru à 0 modulo P. Donc que P divise K moins K'A. P est premier, mais P ne divise pas A. Ça c'est dans l'énoncé. Donc P divise K moins K'. Or, K est compris entre 1 et P-1, tout comme K'. Donc si je fais la soustraction entre les deux, j'obtiens que K-K' est compris entre 2-P et P-2. C'est-à-dire en valeur absolue, compris entre 0 et P-2. P, c'est donc le seul multiple de P qui est dans cet intervalle, dans cet encadrement. 0p c'est 0, hein.
K moins K' égale 0, K égale K'. Boujou. Il y a donc autant de restes que de valeurs possibles pour K. Donc l'ensemble R1, R2, RP-1, c'est le même que l'ensemble 1, 2, etc., P-1. Pour la question C, on sait que 1 est congru à R1 modulo P, 2A est congru à R2 modulo P, etc. P-1, A est congru à RP-1 modulo P. Si je fais le produit de tout ça, alors c'est une implication. Hein. Je vais obtenir 1A fois 2A, etc. fois P-1A, qui va être congru à R1 fois R2 fois, etc. RP-1, c'est-à-dire... Je peux réécrire ça, modulo P bien sûr, je peux réécrire ça avec le symbole du produit, pour que vous voyez un peu à quoi ça ressemble quand on fait comme ça. Donc c'est le produit pour K variant de 1 à P-1 des KA, qui est congru au produit pour K variant de 1 à P-1 des RK, nul au P. Ce qui est à gauche, si je réorganise mon produit, je vais obtenir P-1 factoriel, parce que je vais faire 1 fois 2 fois 3, etc. fois P-1. Multiplié par a puissance p-1, puisqu'il y a a, il y a p-1 facteur a. Et de l'autre côté, je veux obtenir p-1 factoriel, puisque r1, etc. jusqu'à rp-1, c'est 1, 2, 3 jusqu'à p-1, en fait. Pas forcément dans le même ordre. Mais pour un produit, ça n'a pas d'importance. Petit d. Pour tout k appartenant à 1 p-1. Il existe une unique décomposition en facteur premier. Enfin, en puissance de facteur premier pour être précis. Sauf 1, mais 1 on s'en fiche en fait. K, c'est donc égal, alors attention ça va être un peu chelou, hein. Je vais essayer d'écrire la décomposition en facteur premier de n'importe quel K. C'est donc, je suis obligé de mettre deux numéros, un numéro qui correspond au premier et un numéro qui correspond au numéro dans les facteurs premiers, et sachant qu'ils n'ont pas tous la même décomposition, donc ça donne ça. Du coup, les diviseurs. Premier de K, c'est PK1, PKN, donc les diviseurs premiers de P, moins 1 factoriel, et ben c'est tout ça, c'est-à-dire PK1, PK2, enfin, donc P21, etc., jusqu'à P2. N, mais alors le N pour le coup il va dépendre de K en réalité, c'est-à-dire que c'est une valeur qui va être différente suivant les K. Ça va, vous tenez toujours? Il va y avoir plein de diviseurs premiers. Bon, alors il y a des doublons là-dedans, hein. Et puis la liste là par exemple en réalité elle est forcément très 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 longue pour les premiers. Mais on sait pas quelle est la taille du nombre K hein, en même temps. Hein. Donc on a une liste de diviseurs premiers. Donc si P divise P-1 factoriel, comme c'est un nombre premier, il est dans cette liste. S'il est dans cette liste, un peu moche, là, P2, P21, P2, N2, etc., eh ben, ça veut dire qu'il est un des P, quelque chose, quelque chose. Mais ça veut dire qu'il divise l'un des K. Or, il peut pas diviser aucun des K, puisqu'ils sont tous plus petits que P-1. C'est impossible. Donc P ne divise pas P-1 factoriel.
C'est une petite preuve par l'absurde. Conclusion. P-1 factoriel est pas congru à 0 modulo P. Or je sais, je l'ai démontré au petit c, que P-1 factoriel à puissance P-1 est congru à P-1 factoriel. D'où P-1 factoriel à puissance P-1 moins P-1 factoriel est congru à 0 modulo P. Je factorise par P-1 factoriel. Comme je sais que P-1 factoriel n'est pas congru à 0, ce qui signifie que P ne divise pas P-1 factoriel, je peux dire que P divise à puissance P-1 moins 1. Le petit 2, c'est un peu fastoche, hein. Je multiplie par A des deux côtés. Voilà, bonjour. Vraiment rien de difficile par rapport à tout ce qu'on vient de se taper, qui était coriace quand même. L'application, pareil, relativement facile, surtout qu'il y avait une indication. P est supérieur ou égal à 3, donc P ne divise pas 2. Donc on peut appliquer le petit théorème de Fermat, P divise 2 puissance P-1, moins 1. Mais ça, en réalité, ça correspond à 1 plus 2, plus 2 puissance 2, etc., plus 2 puissance P-2. Pourquoi? Si j'utilise la somme des termes d'une suite géométrique, je sais que c'est égal à 1 moins 2 puissance P-1 sur 1 moins 2. Ce qui fait 2 puissance P-1 moins 1. D'où le résultat, et voilà. Allez, bon week-end. As an antidote to your ignorance, and on my desk by Monday morning, two rolls of parchment on the werewolf, with particular emphasis on recognizing it. Sir, it's Quidditch tomorrow. Then I suggest you take extra care, Mr. Potter. Loss of limb will not excuse you. Page 394. The term werewolf is a contract.